Alors bonjour madame, bonsoir madame, si je puis dire cela. C'était madame hier, non mademoiselle. Donc voilà, j'ai vu aussi pas plus tard qu'hier. Voilà, je sais que vous m'avez envie de parler de l'Afrique. Comment je vais vous dire? En réalité, je ne connais pas trop l'Afrique, vous voyez. J'ai suivi quelques documentaires sur l'Afrique, notamment qui s'appelait Kirikou. Il a un gros ventre comme ça, le poisson corps, il est petit, il n'arrive pas à grandir, il y a une sorcière qui le chasse encore. Mais madame Duchesne, de quoi vous parlez? Kirikou, c'est de la pure fiction. C'est un dessin animé avec des personnages de couleur, certes, mais c'est de la fiction. Mais Kirikou, il est africain ou il n'est pas africain? Madame, il est africain. Ah, mais c'est fictif tout ça. Ah d'accord, vous avez votre livre, Rien aux hommes, tout aux femmes. Vous semblez plutôt raconter une anecdote qui vous pensez être la source du sous-développement en Afrique. Donc voici votre livre. Je crois que c'est à la page 62. C'est ça. Vous faites allusion à ce que vous pouvez nous raconter. D'accord. Donc, rien aux hommes, tout aux femmes, girl power. Donc voilà, par rapport à mon livre, justement, je raconte une anecdote. C'était très difficile. C'est au niveau de mon troisième mariage. Vous savez, j'étais marié à un Malien. Il s'appelait Samba, je l'ai rencontré via deux amis, Fatima Ta et Fatima Dou, mes soeurs, je les appelais les soeurs Tatou. Donc voilà, j'ai rencontré Samba au troisième mariage. Donc voilà, on a bien vécu pendant une semaine de mariage, c'était formidable. Et alors un jour, Samba me dit, Emily, je veux te parler. Je me dis, c'est bizarre. D'habitude, il fait autre chose. Et là, il dit, je vais devoir prendre une deuxième femme. Allô? Non, mais allô? Allô, je sais pas. Je suis journaliste, vous me recevez? Je sais pas. Un homme qui a deux femmes, c'est quand il avait deux paires de couilles. Donc, voilà. Vous pensez que la polygamie est la cause du sous-développement en Afrique? Tout à fait, c'est la principale cause. Je vous illustre en fait. J'illustre. Vous avez un homme qui a deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Ça fait combien d'enfants? 50 enfants. S'ils étaient en France au moins, s'il y a des F4, il y a des F3, mais en Afrique, il y a des huttes. Je suis venu ici, c'est pour parler de l'amour. Parce que nous les Antillais, on est spécialistes en amour. Je ne veux pas de problème. Ah ben oui. Pour ça, je suis venu en même temps présenter mon dernier CD. Ah oui. Oui. Donc en plus de l'enseignement, on a chanté. Je chante. Non mais. Les Antillais, je chante le zouk. Tu as fait de l'enseignement. Voilà. Voilà. Donc le tube d'été s'appelle Tu veux mon zizi? Non, non, non. Et c'est voilà. Pourquoi? C'est pas la même chanson. Pourquoi Vincent? Pourquoi? C'est pas Francky Vincent. Là c'est différent. Francky Vincent avait dit, tu veux mon zizi? Boubou. Je suis allé dans un bar pour tester la formule de Francky Vincent. Je vous une fille. Je suis revenu, je lui ai dit, tu veux mon zizi? Elle m'a dit non. Et elle m'a donné une gifle. Là, c'est un bon appel de ma musique. C'est pour ça que j'ai sorti mon zizi. Et cette gifle vous inspire le tube de l'été. Tu veux mon zizi? Non. Quand on fait une mission, on aura une prestation de vous en live. Y'a pas de problème, tu vas changer, y'a pas de problème. Donc voilà, je vois que le professeur Akakada veut dire un dernier truc avant que je ne passe à la conclusion de l'émission. Non, j'ai entendu beaucoup d'aberrations. C'est pour ça que finalement, excusez-moi, je vais prendre de la parole. Parce que vous donnez une phrase choc. Parce que ce que j'ai donné tout à l'heure, c'était un peu en retrait. Là, ça va taper dans le mur. Les Africains, on est heureux. Vous comprenez, non? On rit. Chers spectateurs, mesdames et messieurs, l'Afrique est-elle perdue? Non. Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et comme on dit chez nous en Afrique, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Alors, j'invite ceux qui n'ont rien compris à poser leurs questions sur le compte Twitter de l'émission #onarencompris.com. Et pour tous ceux qui ont compris, vous pensez avoir compris, mais vous n'avez rien compris, enfin, j'en comprends.
Merci, chers téléspectateurs, et bonsoir.